Et salut à tous et à toutes, c'est Mister Guitar 15 pour le Guitar Video Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Alice Retour au Pays de la Folie. Souvenez-vous que la dernière fois on avait assisté au spectacle du charpentier, ça s'est terminé en gros drame avec le morse, je crois que ça s'appelle comme ça, le morse qui a foutu le gros bordel. On est de retour dans le monde réel avec la prostituée qui nous disait je sais plus quoi, de parler au gars je crois de l'asile, je crois un truc comme ça, je crois que c'est ce qu'elle nous avait dit. Et donc c'est parti, on va visiter un petit peu ce monde un peu macabre. J'espère en tout cas que vous allez bien. Bah moi ça va très très bien. Bon, que des bonnes nouvelles, mais je vous en parlerai dans une vidéo annonce, parce qu'il va y avoir une nouvelle pause de la chaîne. Vous inquiétez pas, pas quelque chose non plus de trop... Ouais, j'ai le droit de savoir. D'après, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas le... Il n'y a pas les sous-titres au niveau de l'audio? Si, oui, avec. Bah, c'est cool alors. Voilà. Regarde-moi tout ça. L'endroit... Bref, donc voilà, donc il y aura une nouvelle pause de la chaîne. Bon, vous allez peut-être me dire encore. Bah oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est pour une très très bonne cause. La durée minimum, ça sera certainement de 1 mois. Mais je vous en parlerai dans une vidéo, vous inquiétez pas, il n'y a que de bonnes nouvelles. Putain, mais cet endroit. Avec la musique derrière, waouh. C'est quand même chaud, hein. C'est... Mais ça fait très années 50, hein. Ça fait très très années 50. Oui, qui est là? Alice Liddell, monsieur Radcliffe. Ah, enfin. Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Et en fait, non, je croyais que c'est le mec, vous savez, le mec de l'asile où elle était, mais en fait, non, c'est l'avocat qu'il faut qu'on aille voir. Ce rouleau est un parchemin, ses caractères sont tracés à l'encre de Chine. Selon monsieur Radcliffe, il est composé de cambre, d'huile de pétrole, de cornes de rhinocéros et de musc. Il en sait des choses intéressantes. Quoi ça? Ah, c'est très japonisant. Ah, je sais qu'il y a un niveau qui sera très 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 Nihon, comme on pourrait dire. Voilà, qui sera très 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 Japon. Et ça n'a tout là avec des... Ah, avec des katanas. Radcliffe, qui rend ennuyeux les sujets fascinants, dit que le sabre courbe est un katana du... 16e siècle, non? Au 16e siècle, dont le petit modèle est appelé Wakizashi. Voilà, c'était le katana Wakizashi. Il était utilisé par les samouraïs. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on va être dans le monde un peu Japon, un peu bidouchois, zizi, patakoufa, quoi. Là, y a pas rien d'autre à voir, hein, n'est-ce pas? Oh, vous avez mon lapin. Et vos bonnes manières? Où donc les avez-vous laissés? Les auriez-vous abandonnés à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère, rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans son lit. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. D'accord. J'ai arraché la tête. Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations? Peut-être voilà. Mon sort est-il de mourir ici? C'était pas là où était l'autre con, là? Tout a disparu, il ne reste que de la poussière et cette odeur de tabac froid. Aucun signe du rappeur d'autopsie ou de mon lapin. Maudit soit-il.
Ah mais carrément ? Mais c'est bizarre ça, pourquoi c'est devenu... Pourquoi c'est... Normalement il y avait le mec là et tout le bordel, l'avocat. Ouais d'accord, c'est carrément... Ah ouais, c'est carrément devenu une ruine quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. C'est très... Ah, c'est très très bien, hein. C'est très très la joie, hein. Oula, il neige. Attendez, on va vérifier un peu ailleurs. Ouais, bon, finalement, il n'y a rien, quoi. Mais comment que ça se fait... Ah, attendez. Je suis déjà venu ici, mais la vue ne me rappelle rien du tout. Y a-t-il eu des travaux ? Était-ce en été ? Et j'étais distraite ? Est-ce qu'il y avait un décor un peu japonisant, là ? Pourquoi c'est devenu comme ça ? C'est quand même chaud. Ok, la porte qui se ferme derrière nous. Ok, c'est cool. C'est chaud, hein. Ah ! Ça, c'était le mec, là, qui nous avait abandonné, la merde. On était dans son bateau, là. L'espèce de vache tortue, là. Alors, quelque chose me dit, ça se trouve, on est rentré dans le pays des merveilles. Ouais, mais on est dans le pays des merveilles, regardez. Ouais, on y est retourné. Et de toute façon, on va y retourner, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le fameux train. Quel épouvantable ravage! Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait... Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir ? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Vallée maudite. Ok. Ah, des copains. Des copains. Ah non, oulala, le gros copain qu'il a. Ah, et j'avais esquivé, hein. J'avais esquivé, je veux l'autre, je veux l'autre. Vas-y, on va. Ouais, il a plus de bras. On l'esquive. On le frappe. Attention, on esquive. Non mais j'avais esquivé là normalement. Enfin, je dis bien normalement. Il n'y a plus qu'une tête. Attention. On esquive. Voilà, on a réussi à les avoir. Justement d'ailleurs, en parlant de ça, arme, j'ai rien à améliorer encore. Ah oui, d'accord, ça coûte cher quand même, merde. J'ai encore rien à améliorer. Il y a un truc à faire, je crois. Et c'est quoi ce truc là? Smoke weed every day. Un long voyage commence toujours par un premier pas. Mon premier pas sur London Bridge pourrait être le dernier. Alice Latrouillard, c'est ce que tu veux voir écrit sur ta tombe? Ouais, je pense qu'à mon avis il va y avoir des ennemis, voilà. Alors en fait, quand elle fume de la weed, ça lui fait apparaître des trucs, ok. Bon, je comprends pourquoi elle est devenue folle. C'est l'autre, elle fume de la weed. Oh, c'est tout à fait normal. Je suis une grande fan de Snoop Doggy Dogg. Par contre... Ah mais merde, j'ai fait n'importe quoi. Je suis une grande fan de Snoop Doggy Dogg et de... Et entre autres, et j'applique le smoke weed everyday à la lettre. Alors...
Faut attendre qu'il passe là. C'est cool ça de fumer la weed hein. Bon ça ça va, c'est des ennemis qu'on a déjà affrontés, on sait comment ils sont, on sait comment les battre. Là ici. Allez, on refume de la weed. Là, je vais appeler ce petit épisode là Smoke Weed Every Day. Ce rebord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance. Il t'aidera, crois-moi. Ouais mais bon, tu sais, je suis pas trop pour la drogue moi. Je suis pas trop pour la drogue, hein. La drogue, c'est pas bien la drogue, hein. Sachez-le, les enfants. Allez, une bouteille à aller récupérer là-bas. On va récupérer des dents. Comme ça, on pourra améliorer nos armes. Bon, mais j'ai un vache, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. C'est la merde, hein. Je vous le dis tout de suite. Il faut aller ou par là-bas ou par... Non, c'est par là-bas. Attends. Non, mais merde. Je voulais pas tomber. Je voulais pas tomber. Bref, bon, ok. On va essayer de faire ça par étapes. La suite, elle semble être par là. Hein. Il y a ces trucs là, bon encore ça, c'est pas des ennemis super chiants. Faut aller ici. C'est, ça a l'air d'être le gros bordel, moi je te dis ma chérie, c'est le gros bordel. Ok, y'a rien. Y'a quelque chose par là. Y'a des trésors. Il n'y a pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que ça là-bas? Attendez, on va vérifier. Il y a des... Ah, il y a des têtes. Oh, c'est un café! Ok, d'accord, j'ai eu un gros lag. TR canon. Expulsion automatique de la vapeur. Évitez vos amis de prendre, évitez vos amis à prendre le thé, ça sera canon. Terre canon est très efficace contre les groupes d'ennemis. Change ton tir pour augmenter l'étendue. Terre canon peut détruire la surface fragile à distance. D'accord. Oh, c'est cheaté comme arme. Tu m'étonnes qu'il faut un cooldown. Là c'est quoi ce truc? Ah d'accord, ça va être pour des espèces de gros machins là. Attention, il me veut là. Non putain, il m'a bouffé ce connard. Enculé de ta mère va. Salaud va. Attention, oh putain, effet les météores de Pégase. Est-ce qu'on a réussi à l'avoir? Pas encore. Ah putain! Non, non! Ah, c'est comme ça qu'il faut le battre. Oh mais là mais je vais pas y arriver avec cette grosse merde là. Ah non mais non non. Ok. Voilà, on a réussi à le battre. Pas simple cet ennemi, pas simple hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il était pas simple. Hein. Mais justement, on va les utiliser justement. Allez, on peut l'améliorer. On va l'améliorer au niveau
au niveau 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, là-bas, il y a des trucs à... Voilà. Je t'ai pas dit ça, ma chérie. Ok. Par contre, j'ai des gros lags. Hein. Pourtant, le jeu, je l'ai bien optimisé comme il faut. Je sais pas pourquoi, bref. Voilà, ça peut tout casser, quoi, en fait. Ça peut tout détruire. C'est nickel, ça. Ça envoie de la grosse morve. C'est dégueulasse, en fait. Alors, est-ce qu'on est dans un niveau de transition? Parce que je me souviens qu'il y avait un niveau un peu japonisant qui se passait un peu dans un environnement un peu japonais. Et même un niveau un peu 2D, je crois. Donc, est-ce que... Allez, boum! Donc, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer ici? Non, je crois pas. Il y a un truc en haut. Alors, je sais pas pourquoi il y a des lags. Attendez, est-ce que ça m'a parmi mes configurations de base au niveau de la vidéo. Anti-crenelage avec, sans, avec, en dynamique. C'était pas... On va dire non avec sans floutage, voilà. Voilà, peut-être que c'est des petits trucs qu'il fallait que je règle. Ouais, pourtant, parce que j'ai la config pour tourner le jeu, c'est quand même bizarre. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire là, ici? Non, là-bas. Ouais, mais attendez, il y a un truc là-haut là. Il y a un truc à hauteur là, à essayer de voir. Ah, et là. Smoke weed every day. Et c'est parti. Quel désastre. Qu'est-il advenu de ma belle vallée? Le temps passe et les choses changent. Attendez, et là-haut là. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un souvenir. Aucune famille n'est à l'abri d'une telle catastrophe. Bien sûr, le malheur d'une famille pourrait bien faire le bonheur de l'autre. Ou de la seule membre qui aurait survécu. Ah oui, ça m'a l'air d'être un gros connard. Je vous dis tout de suite, je l'aime pas. Hein. Je ne l'aime, mais pas du tout, pas du tout. Ah, il y a l'autre gros con là-bas. Ah putain, connard. C'est bon, on l'a eu. Attends, il y a un truc à aller récupérer là-bas. Ah, mais en fait, il y a plein de choses à aller chercher là, en fait. C'est chaud. Putain, on dirait de la morph, c'est horrible. Et là, par contre, là-haut, je peux pas y accéder de suite. À mon avis, il va falloir de la weed. Il va falloir fumer de la weed. Comme d'hab, quoi. Voilà, mais la weed elle est là-bas, je trouve. Bon, les merveilles sont vraiment dans la merde, quoi. C'est hallucinant. Hein. Ok, donc j'étais pas censé aller là-bas, en fait. Je peux pas y aller. Ah, je peux plus y aller, merde, quel con. Je suppose qu'il va y avoir... Voilà. Voilà. Oui, non, ça, je sais qu'il faut utiliser la taillère canon pour briser les trucs à distance. Ça, je le sais.
Voilà, ça fait des gros boum-boum. Ah, faut attendre que la plateforme elle arrive. Ah, je risque de tourner des épisodes, pas mal d'épisodes en avance, hein, je vous le dis tout de suite. L'autre, je peux faire comme toi. Bon, voilà. Putain, mais en fait, ce truc, il est trop cheaté, quoi. Attends, il y a l'autre là-bas. Attends, j'arrive. Ah, mais je sais pas ce que c'est que ces coups de lag, là. On va d'abord s'occuper d'eux. Ah putain mais... Ah ! Voilà, je l'esquive lui. Attention, on se protège. Il est où l'autre con là? Alors on va taper. C'est chaud hein. C'est un peu chaud comme niveau hein. Alors avec les lags je vous dis pas hein. Allez, sois débile. Voilà, on a réussi à l'avoir. Je sais pas ce que c'est que ces lags, pourtant j'ai baissé certaines choses au maximum. Le jeu se permet des fois des lags. Alors faut pas chercher sur Origins, hein. Je crois qu'Origins a pas la bonne réputation au niveau jeu vidéo. Ça a pas une super bonne réputation au niveau d'optimisation des jeux. Mais c'est vrai que là on a des freezes de temps en temps, c'est quand même chaud quoi. Alors, est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a un truc que j'avais mis. Enfin, que j'ai enlevé, c'est. Comment ça s'appelle le. Anticrenellage 100, 100, flottage 100, traitement 100. À la limite, on va faire ça. Ah ouais, non, mais ça fait moche là. Ah, ça fait moche, attendez, wesh. Ça fait moche, wesh. Voilà, là, ça fait plus joli. Bon là c'est normal, c'est la sauvegarde. Bah putain mais... Ah je sais pas, le jeu a pas envie. Mon PC a peut-être pas envie en ce moment, je sais pas. Alors peut-être c'est parce que j'ai installé un jeu aussi, ça peut venir de là. Et que peut-être que mon PC a un peu de mal. J'ai installé un screen Unity. Donc est-ce que faudrait que je regarde l'espace sur mon disque dur? Parce qu'il faut savoir que quand vous filmez, vous utilisez de l'espace sur le disque dur et ça peut cautionner des lags. Hein. Alors à moins que je puisse faire, que je puisse utiliser. Ok, merci toi. Ok, de la merde. Monte ta tête. Il y en a un autre je crois, non? Ou je me suis trompé, je sais pas. Ouais, j'essaie de voir de le mettre sur mon autre disque dur, peut-être, quand je stream, peut-être, enfin quand je filme, ça serait peut-être mieux. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas eu cette épée avant, quoi? Enfin, je veux dire, ce truc avant. Parce que pour eux, c'était hyper galère de les avoir, hein. Voilà, on les a eu. Ouais, par contre... Oh, c'était pas par là, hein. Oh, c'était où?
J'ai oublié un truc? Je ne crois pas, attendez. Non. Oui, ça je l'ai vu, ça je le sais, je l'ai vu, mais... Alors c'est où? Par où je passe, bordel? Ah bah non, c'était par en bas, regardez. C'était par en bas, c'était par en bas. Ah oui, là, oui, ça je veux ça. Alors faut attendre que la plateforme elle descende. Voilà, est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est bon. Alors faut attendre que la plateforme elle descende. Ah, j'aime pas trop ce bruit là, là. Ça veut tout dire. Attendez, il y a cette plateforme là qui m'intéresse. Voilà, j'ai réussi à y aller dessus. Et ils me disent qu'il y a un truc par là à faire. Alors par là. Ah oui, d'accord. Le moulin à poivre. Voilà, et on peut passer là-bas, et je pense qu'il y a un souvenir là-bas. J'ai fumé une cigarette, Alice. C'est dégoûtant. Un jour, j'essaierai la pipe. Non, c'est pas bien, mon enfant, de fumer. Alors, ah, mais j'ai un panier repas là-bas. Peut-être que c'est pas pour Hugo. Mouais bof, j'ai envie de dire. Y arriver. Ah, le chat. Cette vision, cette infection, ce sinistre. Qu'as-tu imaginé, Lidl? Mais j'en sais rien. Ah d'accord, il y a l'autre gros con là-bas. C'est ça qu'il faut. Et l'autre connard, il y a une autre merde là, putain. Putain, ça va être chiant, ça va être chiant, ça va être chiant. Oh putain, et puis l'autre il bouffe quoi, lol. Attention. Ah non, mais là ça va être chiant. Hein. Voilà, on va récupérer vite la rose. Attention, il fait les moteurs de Pégase. La salle bloque là. La salle bloque. Non! Non, non, tu mourras pas, 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 tu mourras pas. Voilà. Mais non, attention, il va devenir fou. Alors putain, j'ai des gros crises de lag. Vas-y, active-toi dans ta merde là. Allez, allez. Allez, vas-y, vas-y, active ton truc là. Ah mais, ah c'est bon, j'ai eu.
On l'a eu, on l'a battu, putain. Waouh, mais lui il est chiant à battre. Hein. Et ah, c'est bon, je disais, il loot rien lui. Si, si, il donne des trucs. Alors, je pense qu'à mon avis, on va peut-être pas tarder à tomber sur le niveau, le fameux niveau dont je vous parlais. Putain, mais par contre, c'est quoi ces lags quoi? Je crois que le jeu freeze des fois, de temps à autre, sur PC. Allez, fume de la weed. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Est-ce qu'il y a un truc qui peut me permettre de sauter? Ouais, mais ça va servir à quoi, là? À rien? Moi, ça va servir à rien, en fait. Bon. Putain, c'était chiant, hein. C'est ces lags, en fait, qui me font peur, en fait. C'est ça qui est chiant. Parce que le PC, normalement, de base, il le fait tourner facile, hein. Ah, là, c'est bon. On va récupérer un peu de vie. Ah! Oh, mais en fait, j'avais déjà récupéré de la vie. Voilà. Pourquoi je peux pas avancer? Voilà, et certainement que c'est un souvenir, ouais. Un autre souvenir. La peau humaine brûlée. La chaleur mec et appétissante. Pas plus que celle d'un radicus. Ouais, non mais la vieille elle est vraiment flippante, hein, celle qui boit de l'alcool. Ah, ok d'accord, il y a des copains. Voilà. Bon, on sait comment les avoir. Il y a d'autres ennemis, ça a pas l'air. Bon ça, mais c'est beaucoup plus simple avec cette arme là. Hein. Par contre, ça m'a servi à quoi d'aller d'être ici en fait? C'était juste pour du boss fight? Bah ça m'a servi à rien en fait de venir là. Ouais, ça m'a servi à rien. Bon, bah écoutez. Allons au prochain niveau et on va se laisser au prochain niveau. Oui, on va se laisser là, je sais, je suis méchant. Mais le prochain niveau sera un peu plus asiatique, j'ai envie de dire. Si je me trompe pas, si je me souviens bien de mes souvenirs. Normalement, il y a le prochain niveau est un peu plus asiat. Je crois que c'est avec le Bombix, je crois, une connerie du genre, je crois. Une connerie du genre, il y a un truc comme ça, je crois. Je crois qu'on y est maintenant. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? C'est ce que disent les adultes aux enfants, tout en fumant ostensiblement leur pipe. Il n'est pas utile d'inhaler, laisse seulement la fumée t'envelopper. Ah, et voilà le fameux niveau un peu asiatique avec les kanji et tout le bordel, quoi. Et avec la nouvelle robe d'Alice qui est vraiment classe, en fait. Qui est vraiment classe. Et ce niveau, je pense qu'à mon avis, ce niveau sera beaucoup plus calme niveau... niveau lag et tout ça. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Alice Retour au Pays de la Folie. Allez, ciao, bye bye tout le monde.